Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Simrace Blog avec au programme aujourd'hui un petit unboxing avec l'Oculus Rift CV1. Voilà, il vient d'arriver tout fraîchement, je ne l'ai même pas encore ouvert et je vous réservais cette petite unboxing. Donc voilà, on va y procéder tout de suite. Voilà, je ne vais pas perdre mon temps. On va aller voir tout de suite comment ils nous ont fait ce petit paquet. Allez, on ouvre tout ça. Clac. Et voilà ce petit Oculus Rift CV1, un des premiers pas dans la réalité virtuelle pour tous, on pourrait presque dire. Donc voilà ce petit paquet bien sympathique, voilà, avec la petite ficelle pour le tenir, hein, il est plutôt. C'est plutôt sympa, on dirait un truc Apple, tu vois. Donc on va ouvrir tout ça. Et voilà, une fois sorti les petites boîtes des grandes boîtes, on se retrouve avec le dernier emballage de cette Oculus Rift, l'ultime étape de cet unboxing. Alors voilà, je vous ouvre la boîte et on découvre à l'intérieur l'Oculus et ses différents accessoires. Alors on voit une présentation carrément soignée, hein, le marketing a encore bien travaillé sur ce coup-là. Alors on a différentes choses, on a notamment une petite télécommande qui va servir à naviguer certainement dans les menus, hein, on verra ça un petit peu plus tard sur une prochaine vidéo. On retrouve également une espèce de micro qui est en fait une petite caméra qui va servir à retranscrire les mouvements réels dans le monde virtuel. Donc là, ils ont changé un petit peu de technologie, puisque pour le DK2, on avait pour ce coup-là une espèce de petite webcam qu'on pouvait poser facilement au-dessus de l'écran. Là, voilà, ils nous ont mis ce petit micro qui est cette espèce de micro qui, du coup, est un petit peu moins pratique. Donc on verra comment je le mets dans l'installation. Si je continue l'ouverture du colis, on découvre à l'intérieur des câbles, un long USB, on a une manette Xbox pour des premières expériences de jeu en réalité virtuelle, et puis différentes choses, des piles pour la télécommande, un livret de garantie, la clé USB Bluetooth pour la manette de jeu, voilà, différentes petites bricoles, et puis le point d'orgue de cet unboxing, c'est l'Oculus Rift CV1 de son petit nom, voilà, le premier casque de réalité virtuelle grand public, donc il va nous donner de nouvelles expériences de jeu. Alors il y a eu effectivement la version DK1, DK2 qui étaient des versions test en bêta. Là, du coup, c'est la première version commerciale. Bon, il y a le casque de Vive qui va arriver bientôt. Mais là, on est vraiment devant la première, devant le premier casque de réalité virtuelle grand public. Donc voilà, les rajouts, hein, c'est des écouteurs notamment qui sont rajoutés au casque. Alors je vous laisse faire regarder à l'intérieur. Ce que ça donne, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les lentilles qui sont protégées. Alors normalement, on doit y voir, il doit être plus confortable et plus facile à mettre, notamment pour les porteurs de lunettes. Donc c'est des choses que je pourrais vous faire comme retour. Voilà, je repose le casque dans son écrin. Et puis je vous dis à bientôt. Fin de cet unboxing, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec cette fois-ci la review. Merci.